La ligne directrice de ce programme, ce sont les héroïnes puissantes, les femmes puissantes de chez Handel. Des femmes qui n'ont pas d'emblée le pouvoir, qui le prennent par des voies détournées, par leur audace et leur envie de ne pas être cantonnées à leur position de femme faible. Elles ont gagné un pouvoir et elles vont vivre et mourir de façon tragique la plupart du temps. Elles paient cher, comme Icar va payer son envie d'échapper à sa condition humaine et de voler. L'orchestre des Paladins qui est ductile, tout le monde joue debout, il y a un engagement extraordinaire. Il y a quelque chose de complètement euphorisant dans le fait de chanter aujourd'hui une musique qui m'a accompagnée pendant des années et en même temps d'y découvrir toujours des choses nouvelles et de pouvoir toujours être étonnée par les possibilités expressives que me fait entre autres découvrir Jérôme. C'est quelque chose qu'on a vraiment approfondi peu à peu en essayant vraiment d'aller dans tout le panel d'émotions, depuis le chuchotement jusqu'au cri, en passant par des sons extrêmement appuyés et aussi dans des mots très forts. Et l'orchestre aime beaucoup jouer avec Sandrine parce qu'elle propose tellement de couleurs et de dynamique que c'est évidemment tout de suite évident pour un orchestre de s'accorder à une chanteuse qui n'est pas que sur la voix et que sur le son, mais qui va explorer tant de couleurs. Alors bien sûr, dans les airs rapides, il y a une mécanique du rythme, comme en variété, ça pulse. Mais il y a aussi des moments dans les airs lents où on peut être entre les notes et entre les temps. Et je pense que dans la vie comme dans la musique, beaucoup de choses se passent entre.